journal mitan journée sur télévision nationale d'Haïti. N'a recevoir collaborateur non Wilner Polidor pour conditions météorologiques journée. Bonsoir Wilner. Nous vendredi 27 juillet 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour prévision météorologique là pour aujourd'hui. Nous sommes en début de week-end. Bon week-end à chacun de vous. On a les conditions météorologiques là pour aujourd'hui, vendredi, pour demain samedi et dimanche. Nous gagnons un tropical qui est sous partie orientale Cuba. On ça commence à éloigner considérablement de pays d'Haïti. Mais nous gagnons au nord d'Haïti un creux qui provoque une zone instable. J'en ai sous image de ça. Mais et par exemple de toujours avec les conditions météorologiques là. Et c'est pour ça aujourd'hui on a bien autant qui vente sous pays d'Haïti et Jean-Noël sous 4 ça avec bel soleil sous majorité département yo, mais en soirée gagne possibilité pour gagner quelques averses isolées qui capable modérer sous plusieurs départements région nord concerné par activité la pisao Artibonite aussi et le centre a concerné par quelques gouttes lapisario, mais pour région sud là avec département de l'Ouest, c'est quelques averses isolées. Mais j'en ai dit là pour aujourd'hui, c'est un temps cap plus ou moins humide sous pays d'Haïti. Et j'en ai sauté là, brise de mer là mélange avec réchauffement journée capable de provoquer quelques averses sous département de notre cité là. Mais pour demain, gagne un tropical qui prévoit pour traverser pays d'Haïti et on sa les porteurs d'averses. Pour ça, n'a bien quelques averses à l'appli sous majorité département au Jean-Noël sous cadre de précipitation. Ça n'a bien département Noyo cap gain l'appli avec Artibonite, le centre département de l'Ouest et même région sud là a concerné par activité en soirée ou au cours de nuit là. Cela dit que n'a bien fréquence à l'appli au cap augmenté sous département ça pour demain samedi à, par rapport avec le passage en ça que vous voyez dans la nuit du samedi au dimanche. Là, on a la température, c'est des températures qui a à la hausse sur tout le pays au cours de jeudi. Et j'en ai jusqu'à 35-34 degrés sur quelques départements. Et demain aussi, la température a toujours à la hausse. Ça fait très chaud. Et j'en ai c'est toujours sous centre avec l'ouest qui gagne plus haute température. Pour capital avec zone qui est environ son capital qui gagne. Bel soleil avec 24-20 coups de journée. Jeudi, on a gagné quelques averses là puis en soirée, mais c'est des averses isolées sous tête Monio et surtout sous quartier qui trouvait au sud de Port-au-Prince et même à la rigueur Mont-Nassel. On a gagné quelques averses là puis pour jeudi, disons à Soya et au cours de nuit là. Mais demain, on a gagné la puissance qui va augmenter sous capital et au cours de nuit, mais quelques averses isolées sous capital Port-au-Prince. Et température à jeudi sous capital jusqu'à 35 degrés et puis la descente c'est 24 degrés au cours de nuit là et n'a senti effet de chaleur sous capital pays d'Haïti. La mer a non seulement li agité sous côte nord et côte sud, mais côte sud pays d'Haïti l'a agité à fond et c'est pour ça que les capitaines yo précaution pour pas rentrer dans fond la mer parce que par rapport avec l'appli que nous prévoit et ensuite la mer a capable agité à fond, visibilité a réduit sous côte sud pays d'Haïti. Et pour page astronomique là, jeudi à soir elle a couché à 7h26 minutes et la pleuvée demain matin à 6h25 minutes. Mesdames, messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous n'a croisé lundi pour la page météo. Bon week-end à chacun de vous. Merci Wilner et bon week-end. N'actualité à assise criminelle yo après la poursuite dans le palais justice Port-au-Prince. Jeudi 26 juillet à tribunal criminel traité plusieurs quatre coups vol viol à association Mayette, Sainte-Croix et Hervière pour le reportage. Assise criminelle a déroulé dans la juridiction Port-au-Prince. Jeudi 26 juillet, audience criminelle a poursuivre dans quatre chambres. Les Wilson, tribunal a condamné pour passer 7 années dans la prison. Avant l'État à commettre viol sur une mineur 15 l'année. Viol sur une mineur, et s'il faut faire appel, cassation, c'est ce droit le plus entier avec ses avocats. Assise a commencé depuis lundi, donc il y a 5 sièges, je crois, chaque jour dans le tribunal, une semaine sans assistance de jury, mais deux semaines, c'est avec assistance de jury. Mais on connaît ce qui est passé dans le
tribunal, selon ta question, magistrat qui en siège, un siège qui prend par contre pour qu'il y ait infraction. Sous la cour, il y a un siège qui prend. Normalement, je dis que c'est 5 sièges. Et si on est dans le roulement, on voit qui est-ce qui siège qui gagne pour qu'il y ait infraction. Au niveau de la première chambre, nous avons un cas de viol sur mineur. C'est une infraction qui était commise en 2012. Ça passait en novembre 2012, on a arrêté. Donc, je dis que l'ordonnance est voyée juger depuis mars 2013 pour viol. Avec ce qu'on s'aggravant. Donc, je dis, c'est qu'à ça que l'abtade. Jusqu'à présent, assise criminelle a déroulé sans problème dans le palais de justice Port-au-Prince, d'après le droit tribunal. Merci, Paki et Hervé. L'autre dossier, l'état de droit, les droits de l'homme et la sécurité, c'est sous différents thèmes, ça y est, responsable mission Nations Unies pour appuyer justice en Haïti, mais nous juste à UNESCO, a réalisé un concours fable qui portait nom Il était une fable. Responsable de On a sélectionné 29 élèves dans le cadre concours. Parmi eux, 12 filles et 17 garçons qui écrit 33 fables. Pour le parole, Minujis l'a fait connaître, qui c'est Sophie Bouteau de la Combe. Invitez public là, montez sous compte Facebook Minujis là et puis cliquez pour voter Fabio Pyreméen dans chaque thème. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro Rachel Saint-Fort et Henri Robert Chéri. C'est une grande joie d'être avec vous aujourd'hui pour dévoiler les 33 fables écrites par les 29 élèves de 15 à 24 ans, sélectionnés par la Commission nationale des écoles partenaires de l'UNESCO en coordination avec le réseau des écoles associées à l'UNESCO dans le département de l'Ouest. Ces 12 filles et 17 garçons ont fait un travail de création, mais surtout un travail de conscientisation, que nous vous invitons à lire, à partager et à débattre. Chaque fable décrit avec force ce qui, selon eux, bloque le progrès et les changements positifs dans le domaine de la sécurité publique, de l'état de droit et des droits qui sont au cœur, vous le savez, du mandat de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, la Minujus. Par leurs fables et leurs morales, les morales qu'ils en ont tirées, ils identifient les valeurs perdues, sacrifiées sur l'autel des intérêts. Car c'est cela la leçon de vie que ces enfants veulent partager avec ceux qui aujourd'hui gèrent la société et le pays. Les intérêts ont remplacé les valeurs. Que ce soit dans le domaine de la sécurité publique, de l'état de droit ou des droits de l'homme, ces enfants disent combien les intérêts individuels sont au cœur des problèmes, car ce sont les intérêts et non les valeurs qui aujourd'hui régissent, selon eux, les décisions et les actions des adultes. Toutes les fables sont postées dès aujourd'hui sur le compte Facebook de la Minujus sur l'onglet « Articles ». Par ordre alphabétique des auteurs et du lundi au vendredi jusqu'à ce que toutes les fables soient publiées, les partageront également avec les journalistes, avec les médias, de façon à ce qu'ils puissent les diffuser le plus largement possible. Le calcul du vote du public sera en comptant le nombre de j'aime, le nombre de partages et le nombre de commentaires que chaque fable recevra sur les comptes Facebook et Twitter de la mission. Donc dans chaque catégorie, nous aurons un gagnant fille et un gagnant garçon qui seront déclarés gagnants à travers le nombre de votes. Mais ce n'est pas tout. Un jury formé d'intellectuels et d'experts déterminera les 6 autres gagnants selon un système de points par rapport à des critères. La créativité, la cohérence et la force inspirante de la fable, qui s'ajouteront donc aux gagnants du public. Donc les 12 gagnants, 6 gagnants du vote du public, 6 gagnants du jury, seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 21 septembre 2018. Projet concours FAB pour l'école dans le pays. Franck Etienne et Savannah Savary, c'est des écrivains qui animaient pendant 8 journées divers ateliers sous création et écriture pour participants. D'après écrivain Sayo, activité Sayo, c'est occasion pour réaliser une prise conscience de la CAI jeunesse là pour faciliter au jouer rôle comme ça doit dans le développement pays. Toujours dans le micro, Rachel Saint-Fort et Hervé Chéri. Moi, j'ai plus travaillé avec Simonio sur le champ de l'imaginaire, le champ sociologique, le champ historique. Parce que c'est domaine ça que j'ai estimé qui t'a permis de faire comprendre ça, avoir des idées neuves.
imaginer, comprendre la société haïtienne, comprendre les défauts de la société haïtienne, connaître ce qui pas marché la donne, pour qu'on y ait, Léo fin connaître d'abord avec Savannah Savary, on Fabier, bien avec on Fab, qui ça qui moral là, eh bien, je crois que nous pas qu'à dire que nous voyons fleurs à tête, nous, mais nous satisfaits du travail qui fait là. Son premier pas, c'est pas Fab, nous avons besoin de 6 millions qu'on écrit. Il a écrit Fab là, bien, nous content. Mais c'est pas un objectif de Fab, non? C'est pas un objectif de, pour tout le monde tourner Savannah, pour tourner Lionel Touyo, pour tourner Fouquet-Ciel, pour tourner Anthony Phelps. C'est pas ça, non? Ce cerveau, on a pu l'ouvrir sur question la vie, sur question Haïti. Donc là-bas, il y a un entraînement. Quand vous êtes un entraîneur, à faire gymnastique, à footballeur, et bien, tu as dit le manger. Pour qui ça, football, à faire gymnastique là? C'est entraîner, entraîner pour l'aile de terrain, pour qu'on ait pour faire goal, qui a pour éviter goal. Le travail nous fait, son travail qui vise formation globale, Timounio, pour demain, pour non seulement pour gérer vie, pour gérer vie, et si grosse chance, pour sauver la société à tout, c'est capable, premier instrument ça, que nous commençons à former. Justement, en adressant des thèmes qui sont importants pour la construction d'une société de justice. Donc, travail à partager, et Mkadi l'a fait en trois parties, en trois temps tout. D'abord, Mme Boutoula a présenté le Timounio projet, mais ça lié. M. Fouquet-Étienne accompagné du point de vue de l'expérience. Et partie écriture, c'est moi-même qui t'ai assuré. Nous toujours connaissons que jeunesse intéressée par le pays et qui côté pays au bralé, mais travail ça permet encore une mise à nu de à quel point que jeunesse ça relé pour une autre société. Et prise de conscience ça a fait à travers justement la fable, qui sont genre littéraire particulier, qui mettait à nu les problèmes d'une société et gain des leçons qui tiraient de lui et parfois même une lumière qui fait sur qui gens ça doit changer. Responsable communication et plaidoyer, groupe d'appui rapatrié et réfugié Garla Gérald Saint-Ville-Lubé, fait connaître institution enregistre 8873 rapatriés à travers divers points frontaliers, sorti mois janvier pour arriver mois juin 2018. Là. Responsable communication Garla Gérald fait connaître divers cas de violence enregistrés dans le moment rapatriement. Gérald Saint-Ville-Lubé a apporté plus d'explications. Dans le micro, Louis-Nel Jean-Louis et Michel Joseph. Chiffres que nous commençons à collecter pour le mois de juillet, pour nous capables de prendre l'exemple de Belader, qui est un point frontalier officiel, Belader Elias Finia. Déjà entre 3 et 17 juillet, nous avons un total de 1054 rapatriés. Là, nous avons 952 garçons et 102 filles. Et 32 mineurs non accompagnés. Quand nous disons mineurs non accompagnés, c'est des mineurs qui viennent sans poche et qui ont le même traitement, même genre adultes. Alors, là, nous connaissons les conditions de rapatriement aux gens très critiques. Ça fait que nous toujours alertés pour catégorie ça. Alors, quand tu fais sortir un premier bilan pour le premier semestre de l'année 2018, là, nous déjà en total. De janvier jusqu'à juin 2018, nous recensons un total de 28 873 rapatriés et 680 retournés spontanés. Alors, c'est des chiffres que nous collectons à travers Bureau Nous et à travers manifeste que nous recevons quand l'autorité dominicaine vient à un groupe de rapatriés. Chiffres, ça, c'est des chiffres qui sont partiels pour plusieurs raisons. D'abord, GOR. Pas de capacité pour l'étendre sur tout point frontière là, puisque nous connaissons 141 points frontières entre Haïti et la République dominicaine et gen seulement 4 points officiels. Mais ça nous doit alerter sur la situation. Ça. C'est d'abord différents cas de violation qui fait dans l'opération rapatriement. Ça. Premier aspect que nous avons soulevé, c'est la question de confiscation de documents.
de voyage. Nous connaissons que le rapatriement n'est pas fait seulement sur base d'irrégularité, parce que nous avons une situation irrégulière, vous retenez, mais il fait tout sur base de discrimination. Au monde qui est simplement noir, et la situation qui passe là, il a juste mis tout le monde dans le bus, vous voyez, retourner. Ça, quand il vient que nous recevons des gens qui ont un visa, qui ont un passeport valide, qui retournent, qui parmi la foule, parce qu'ils n'ont pas le temps de vérifier le passeport. Mais ce qui compte plus et dur, c'est que quand l'autorité dominicaine a des gens comme ça, qui veulent montrer le passeport, visa, ils déchirent ou ils saisissent. L'autre violation que nous devons soulever, c'est le cas de bastonnade, mauvais traitement. En pile migrant yo yo se voit des coups, yo vini blessé, yo vini sale, yo vini vraiment dans des conditions très critiques. De les côtés yo arrêté yo jusqu'à frontière là, c'est vraiment condition criant. C'est pareil qui pour faire que ou même en tant que monde ou que yo porter atteinte avec dignité. L'autre dossier dans le journal là, 15 élèves dans différentes écoles ont fait stage dans la télévision nationale d'Haïti. Initiative ça fait en bas leadership directeur général télévision 1, Gamal Jules Augustin, dans l'idée pour accompagner élèves qui font plus gros moyens, mais tout permettre de faire expérience travail pendant vacances là. Nous invitons à suivre un reportage d'Arline Dorival avec Peps Jean-Baptiste. Initiative ça qui est lancée en 2017 permet plus passer une dizaine d'élèves l'école qui sortit dans plusieurs établissements et scolaires fait stage pendant toutes vacances là dans radio et télévision nationale d'Haïti. Directeur général RTNH là, Gamal Augustin, expliquait à travers initiative ça, média l'état, service public là, visait à accompagner géniaux pendant le rappeler éducation c'est base d'une société. 15 élèves qui sortit dans plusieurs institutions. Non, pas de prestant. Rêve nous, c'est pour nous faire dans toute la République d'Haïti, mais il y a toujours difficile pour le moment. Mais c'est 15 jeunes, âgés de 10, entre 16 et 17 ans, et qui sont dans l'école secondaire. Nous avons orienté les yeux. Et la nationale d'Haïti, ensemble avec la Radio nationale d'Haïti, nous accompagnons. Nous avons un programme d'emploi partiel et pour les chaque fois recevoir un petit corps, j'ai entendu un peu comme lié. Mais ça, comme là, qui est important. Ça qui est important, c'est préparer l'avenir de la République d'Haïti. Et je pense que c'est une responsabilité que nous-mêmes nous gagnons là dans la radio télévision nationale d'Haïti depuis l'année rentrée, qui s'est formé jeune. On jean pour le matin, Camille, on jean pour une jeunesse qui sous ça, on jeunesse qui compte côté le poil. Jeune Sayo qui est papillé dans différentes directions en cours, administration, programmation, technique, information. Salier initiative là. C'était très facile parce que l'emploi était très courtois, était très positif, était très aidé, nous était par la veille, tout bas. Donc, c'était fait très facile, donc tout est réussi. Voilà, tout le monde est à l'aise. Bon, l'intégration était assez facile, le pourquoi j'étais pratiquement habitué avec tout le monde qui était là déjà. Même si tu as gagné certains remaniements, tu as gagné une nouvelle personne qui était venue employer dans l'institution. L'intégration était assez facile, les gens étaient conviviales et tout le monde mettait une dynamique pour accompagner. Donc, il faut dire que je suis en nouvelle ça à cœur ouvert. Parce que c'est ça que je devais faire pour vacances. Je n'ai pas d'autre option. Et puis, je passe le concours avec Brio et puis, on rirait mon matin. Et puis, je suis très content de venir. Je ne connais pas ta programme, tu as bien le stage avec moi. Et je suis très satisfait jusqu'à présent. Quelques autres parmi eux racontaient comment le stage ça va aider. Padapi nan yo encourager l'autre jeune qui nan la yo travaille pour venir modèle dans société là. J'ai toujours voulu gon expérience dans travail donc ça te représente une bonne opportunité pour moi. Ta pas apprendre comment fonctionnement en télévision yi. M'apprendre comment pour me faire différentes lettres, factures, tout bagay ça on pensait que y a aidé parce que moi ka appelé on fois pour me faire genre de bail ça que moi apprendre faire là. Bon pour moi son une belle expérience parce que dans la télévision comme stagiaire il apprend moins un pile bail que même te connaît tout donc dans site là il apprend moins que gain coudeur et capter quelques signal dans technique là tout comme si il apprend moins faire soudure bon moi comme si que regarde ça son sorte de formation m'a jeune et capreté pour la vie. Ta conseiller pour toujours l'école meilleur bail là c'est éducation tu pour éduquer quand même ou avoir gain respect dans la société et
toute chose là c'est éducation parce que c'est lui qui permet moi là je dis à et c'est une bonne chose pour le pays. Ça fait deuxième l'année Radio et Télévision Nationale d'Haïti lancé programme emploi à temps partiel pour faciliter élèves classe 3e, seconde à Créto vivre une expérience différente pendant vacances là. Responsable organisation monde handicapé parmi eux, organisation monde handicapé développement Haïti, organisation héros handicapé pour réconciliation nationale ak union handicapé réuni nan pernier mandé président Jovenel Moïse prend disposition pour permettre handicapé yo représenter nan nouveau gouvernement. Magdali Dauphin, secrétaire organisation monde handicapé pour développement Haïti ak Edi Bernard présenté organisation ça souhaité chef l'état rencontrer ak yo nan cadre conciliation nationale la fait pour mettre sous un nouveau gouvernement. Nous évitons de suivre un bout dans la déclaration. La dit président, nous avons des gens qui éduquent, qui peuvent participer dans le changement ça ou à chercher. Nous profitons de l'occasion pour demander au nouveau gouvernement qui vient pour le bail de l'autre politique sous secteur ça. Nouveau gouvernement qui a monté là, faut un gouvernement qui a réuni tout le monde, tout le secteur, pour chiter ensemble avec tout le monde, pour nous handicapés, pour nous aller en souffle dans le pays. Plus passé 400 étudiants dans le Collège Canada Technique recevoir jeudi 26 JEA diplôme. Cérémonie ça a été occasion pour responsable l'école technique là souligner importance métier professionnel dans la société. Nous invitons à suivre un reportage Anne Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. Technique réseau informatique, électromécanique, mécanique entretien industriel et télécommunication, c'est dans différentes disciplines ça y a environ 450 étudiants prennent formation pendant deux années. Directeur général Canada Technique, là, frère Gary Pierre, indiqué promotion ça fait 45e promotion professionnelle Canada Technique mette sous marché travail là. Les souligner j'ai fait institution ça fait pour offrir étudiants yo une formation qui gagne un standard international. Les invités gradués pour toujours mettre connaissances à niveau, une façon pour répondre à l'obligation qu'a fait chaque jour dans le secteur technologique là. C'est dans ce contexte socio-économique difficile que Canada a su se démarquer en se positionnant en tant que leader de la formation. Vous venez de recevoir une formation, une solide formation à partir de l'approche par compétence. Je voudrais vous dire ce matin que votre diplôme n'a pas une durée de vie limitée, car la technologie va à un rythme effréné. Être compétitif sur le marché de l'emploi, vous devez continuellement vous former. D'où l'importance de la formation. Ingénieur Jean-Lucien Ligondé qui parraine 45e promotion 1 qui baptisait Tête et la Perle, salue gradué pour non ça qui annonçait ses bons techniciens avec témoin excellence. Li rappelé non ça qui te permet à Haïti briller dans le temps passé, car refaire encore si tout le monde d'accord mettait intérêt personnel sous côté. Président directeur général Chradla attire l'attention gradué sous détermination pour arriver Piro, c'est ça qui gloire. Vous appartient. Votre maison est ce trésor que vous avez gagné après deux années de dur labeur et de sacrifices consentis par vos parents ou vos bienfaiteurs. Ce trésor, vous pouvez le jeter au trousseau pour le faire fructifier. Vous pouvez emprunter le chemin du départ, fatalisme vers l'outre-mer. Laissez la méfiance esthétique, la suspicion, la peur et même l'esprit de destruction à on doit le dire, cet esprit de destruction anime certains discours aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Mais gardons-nous, gardez-vous de fermer vos cœurs aux possibilités multiples qui sont à vous. Il y a tout un champ.
Le présent de votre vie est votre Dieu. Ce diplôme que vous allez recevoir, chers impétrantes, chers impétrants, il n'est pas un rêve, mais une réalité. Il faut se l'approprier. C'est le moment du choix et de l'action. Le moment où il faut se projeter pour bâtir son futur. Le Canada, au cours de ces 2 ans, a développé votre sens critique, votre capacité d'analyse, et vous a transmis le savoir-faire qui vous habilite à intégrer le marché du travail avec assurance. Responsable yo mande gradye yo pou kenbe honnêteté yo et puis briller dans travail yo tout côté yo passé à travers action yo. Cérémonie graduation ça té l'ouvri ak yo mes action de grâce pour te remettre l'école là nouveau gradye yo ak responsable yo bay grand maître là pour bien faire li sou teya à travers moun kap agi nan non li. Merci Anne ak Hervé. Moment arrivé pour nous prendre un coup de pause dans journal là, pas déplacé, n'ap tourné. Dans la page internationale, là, dans le moment de délai, la justice américaine est fixée sous question de séparation parents et timoun qui arrivaient illégalement aux États-Unis. Plusieurs timoun et parents ont été réunis dans Washington pour demander au président Trump qu'il y ait une promesse qui a été faite pour timoun migrants réunis et famille. Nous invitons. Nous avons un timoun, famille doit réunir. C'est slogan manifestant timoun ak parent qui réunit dans Washington k'ap mande président Donald Trump kembe promesse li. Alors que limite la justice américaine fixée a dépassé depuis jeudi 26 juillet, plus passé 700 timoun qui rentrent illégal aux États-Unis ak parent yo toujours séparés ak famille yo. Yon juge fédéral Californie te baye l'ordre pour toute famille qui éligible yo réuni avant 6h hier jeudi a. Yo considéré tant qu'ou éligible ka côté lien familial yo bien déterminé, côté parent yo pa gen passé criminel ou soit maladie attrapant. Polémique tolérance zéro, président Trump l'an rentré en application en avril ak juin passé a. Politique ça a entraîné placement en détention de milliers de migrants qui sortent principalement dans l'Amérique centrale et l'Amérique latine. En 2300 à 3000 timoun te séparés de parents yo et puis placés dans divers centres ministères de la santé américains. Méthode ça a été soulevé indignation aux États-Unis à tel point président Trump était obligé de ouais méthode li yo. Président Trump était interdit décret séparation systématique famille yo. Sous 2551 familles qui séparées avec plusieurs timoun entre 5 et 17 l'année, 1442 réunis d'après statistiques officielles yo qui publiées dans document justice yo. D'après NASA, pi long éclipse lunaire totale 21e siècle là a passé jeudi vendredi 27 juillet dans la soirée sous continent européen. Gros événement astronomique ça a duré 1h42 minutes à 57 secondes. L'a commencé dans les 7h24 na souhait pour finir à 11h19. Yon l'autre bord la Terre pour trouver l'alien avec soleil là ensemble avec planète Mars et puis c'est celle fois tout la Terre a pi proche planète Mars pendant 10 l'année qui sont passé yo là. Contrairement à l'éclipse solaire, yo, y a qu'à observer l'éclipse lunaire sans protection pour géo. Moun qui souhaite suivre bon jan éclipse total là, a fait entre 8h30 à 10h30 dans souhait, mais pigou éclipse là a fait à 9h22 dans zone Europe occidentale là. Criminel sans assistance juridique après poursuivre dans palais justice Port-au-Prince, a jeudi à tribunal a traité plusieurs cas pour viol, vol et association malfaisée. 15 élèves qui fait pigou moyen l'école, il a fait un stage actuellement dans la télévision nationale d'Haïti dans quatre programmes emploi à temps partiel qui veut dire travail pour un petit bout de temps. Il y a une initiative direction générale TNH là pour encourager performance académique. À l'étranger, alors que délai la justice américaine te bail a dépassé depuis jeudi soir, plus passé 700 moun qui étaient rentrés illégalement avec parents yo toujours dans isolation loin famille yo dans pays États-Unis. Eh bien voilà, amis téléspectateurs, journal arrivé dans Boutli, nous te prenons pile plaisir pour informer. Nous invitons à rester branché Télévision Nationale d'Haïti pour reste programmation. Rendez-vous à la salle des nouvelles là, c'est à 7h pour Téléjournal là. Bon week-end. Bye bye tout le monde.